not have a possible physical dispute between a man and woman. I think you're a couple. Allahu Akbar! Allah is the greatest! Allahu Akbar! Ashhadu anna la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته espérons que vous allez tous et toutes bien cet après-midi de ce jour de samedi 6 avril. Et il est précisément 16h07. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'introduction de cette vidéo l'indique, nous allons nous intéresser à trois prédicateurs, je dirais même à trois imams, en la personne de Rachid Abu Odeifa, alias Rachid El-Jaï. On la personne de l'imam Abu Shayma et on la personne de l'imam Elias Abu Sohel. Alors, le concernant, donc, c'est la quatrième vidéo que je réalise afin d'apporter un commentaire, une réaction aux différents propos qu'il tient dans sa mosquée. Et donc, sans plus tarder, nous allons écouter le premier extrait qui concerne Elias Abu Sohel, et on se retrouve, Inch'Allah, ensuite afin d'apporter un commentaire. Maghreb, la récitation du Coran en groupe. Quand tu dis à quelqu'un, non, récite pas en groupe, il te dit, Akhi, Allah dit, tu veux m'interdire de réciter le Coran? Non, moi je t'interdis de réciter en groupe. Je t'interdis pas de réciter le Coran. Un homme ne dit pas, oh, mais j'tama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah. Le hadith fi sahih muslim. Là, là, là. اجتمعوا على أي وجه اجتمعوا الحديث يفسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يتدارسونه فيما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أصحابه مرات ولم ينقل في حديث واحد ولو كان ضعيفا أنه قرأ مع أصحابه بصوت واحد. Donc dans nos pays, on a quoi? On a le fait que les gens se réunissent et ils récitent le Coran en groupe. Si tu dis à l'un d'entre eux, il ne faut pas faire ça, il va te dire, non, tu me dis de ne pas lire le Coran. Non, moi je te dis de ne pas lire de cette manière-là. Je ne t'ai pas dit de ne pas lire le Coran. À l'écoute de cet extrait, nous avons entendu l'imam Elias Abu Sohel nous expliquer qu'il est formellement interdit de se réunir dans la mosquée afin de lire le Coran en groupe. Ceci est considéré comme une innovation. Alors, et par ailleurs, et c'est là, c'est tout à fait et à la fois intéressant et très intriguant, c'est qu'il a connaissance du hadith qui figure dans Muslim, qui me servira d'argumentation pour ma réfutation, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'il y a un mérite pour le musulman de se réunir dans la mosquée, non pas pour lire le Coran, mais pour apprendre le Coran. Donc il est parfaitement au courant de ce hadith, il dit, mais le prophète a expliqué ce hadith est clair, et ce hadith ne nous dit pas que l'on doit se réunir pour lire le Coran, ce qui est bid'a, mais qu'on doit ou qu'on peut, si on en veut en tout cas c'est parfaitement licite, de se réunir dans la mosquée pour apprendre le Coran. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous intéresser à ce même hadith qu'il a lui-même évoqué dans le Sahih de Muslim, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah.
il faut reconnaître que c'est particulièrement... c'est quand même une performance. Nous avons pris connaissance de ce hadith que lui-même a évoqué, que lui-même a expliqué et que lui-même a affirmé que ce hadith indique que le musulman peut, s'il le souhaite, aller dans la mosquée pour apprendre le Coran, mais en aucun cas pour réciter le Coran en groupe. On ne récite pas le Coran en groupe. Or, vous avez constaté par vous-même, et en version française et en version arabe, que le hadith, le prophète, aurait indiqué, aurait conseillé fortement de se réunir dans la mosquée et pour apprendre le Coran et pour étudier le Coran. Vous avez le terme étudier et réciter le Coran dans le hadith. J'ai même mis des flèches pour ceux qui, comme lui, d'après ce que j'ai pu comprendre, avaient une vue qui n'était pas terrible. Donc ici, à la lecture de ce texte, il est parfaitement clair qu'il s'agit de deux choses en rapport avec la réunion entre frères dans une mosquée. Il s'agit de faire deux choses, d'apprendre le Coran et de réciter le Coran. Le hadith, il est parfaitement clair. Comment en est-il arrivé? Alors, lorsqu'on ne sait pas, je peux comprendre qu'on ne sait pas, donc on se trompe, ce qui arrive à tout le monde. Là, ça, je connais. Mais lorsqu'on sait et qu'on a connaissance du texte et qu'on se trompe quand même, il faut quand même reconnaître que c'est quand même une performance. Puisqu'il a connaissance du texte, il a dit « ne parle pas du hadith qui est dans le musulman ». Le prophète, il a expliqué, c'est très clair, il ne s'agit pas de réciter le Coran, il s'agit d'étudier le Coran. Donc il a connaissance du texte. Or, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire plus clair, réciter et étudier. Donc il a connaissance. Mais malgré ça, il dit manifestement quelque chose qui est inexact. Premier point. Deuxième des points, Nawawi nous dit que la majorité des savants disent que c'est bien. Lui-même et la majorité, la grande majorité des savants disent que c'est bien de se réunir dans le Coran. Il confirme ce hadith. Il confirme ce hadith. Il ne cherche pas à dire voilà, machin truc, mais ce truc. Il dit oui, c'est bien. Le prophète a dit que se réunir, réciter le Coran. Il dit c'est bien. Je confirme. Et la majorité des savants disent que c'est bien de se. Il confirme le propos du prophète, en fait. Il confirme le hadith, en tout cas. Bon. Et enfin, pour terminer. Nous apprenons que l'imam Malik, donc de l'école malikite, lui rejette ce hadith. Il considère que le fait de se réunir dans la mosquée, et pour étudier, et pour lire le Coran, il dit que c'est blâmable. Donc lui, les deux sont interdits. Réciter et lire le Coran, c'est interdit pour lui. C'est blâmable. En d'autres termes, il n'en a que faire de votre hadith authentique. Il n'en a que faire, lui, de votre hadith. Il dit que c'est interdit. Donc, il ne contredit pas le prophète. S'il était persuadé que le prophète aurait dit ça, il n'aurait jamais dit c'est interdit. Il ne va pas se mettre en contradiction avec le prophète, on l'imagine bien. Mais il réfute, il considère que ce hadith, il n'est pas authentique, parce qu'il dit que c'est interdit. Donc, il y a deux possibilités. Ou il va contredire le prophète, on dit non, c'est interdit. Ou il considère que le texte est faux, il dit que c'est interdit. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Et il lui dit que c'est interdit. Donc, en d'autres termes, il rejette ce hadith. Là, ça cause un deuxième problème. Alors, on me dira, oui, mais Malik, il est venu avant le Bukhari. Mais ça ne change rien qu'il soit venu avant ou après Bukhari. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait de rejeter cette situation. C'est tout. C'est le fait de rejeter, de se réunir, de lire le Coran. Après, que ce soit Bukhari ou Tirmizi ou An-Nasa'i ou ce que vous voulez, ce n'est pas la question. Lui, Malik, considère qu'on n'a pas le droit de se réunir dans la mosquée et pour lire le Coran et pour réciter le Coran. Voilà. Donc on a vu ce qui est intéressant, à mon sens, à examiner dans cette situation. Alors là, franchement, c'est une performance. C'est une performance. Il faut reconnaître que c'est quand même une performance. C'est qu'il a connaissance, l'imam Ilyas Abu Sohel du hadith. Il l'évoque dans la vidéo. Il dit, ne me parle pas de hadith qui est dans Sahih Muslim ou le prophète, mais le prophète n'a pas dit de réciter, il a dit d'apprendre le Coran. Or, les deux termes sont dans le Coran, réciter et apprendre le Coran. Écoutons le deuxième et dernier extrait le concernant. Comme je ne sais plus si c'était Abdurrahman ibn Mahdi ou un autre, il a vu quelqu'un prier après le Fajr.
Il a vu quelqu'un prier directement après le Fajr. Donc Shuruq, il n'était pas encore... Il a vu, il a fait rak'atayn après Salat al-Fajr. Le savant, il l'attrape, il lui dit, ne prie pas à ce moment-là. L'autre, il lui dit, laisse-moi. Il dit, tu crois vraiment qu'Allah il va me châtier parce que je fais rak'atayn? Franchement. Il lui dit, non. Il lui dit, mais Allah risque de te châtier parce que tu as désobéi à son prophète en faisant deux unités à ce moment-là. Dans cet extrait, il nous explique un échange entre un savant et un non-savant, et le non-savant fait de rak'a au moment du sobh, au moment du shuruq, ou je sais pas quoi, et donc le savant lui dit, c'est pas bien, il lui dit, mais est-ce que tu penses que Dieu va me punir si je veux patati patata, bon bref. Et le savant, il met un terme à la conversation, lui expliquant que la question, c'est pas que Dieu va te punir sur le fait que tu fais de rak'a, c'est pas le fait de faire de rak'a, il va pas te punir parce que tu fais de rak'a. Tu cherches à prier, tu cherches à l'adorer. Tu n'as commis aucun mal, tu n'as insulté personne, tu n'as calomnié personne, tu n'as volé personne, tu n'as tué personne. Non. Il te dit, le savant lui explique que Allah va te punir parce que tu désobéis au prophète. Voilà, quand il dit que c'est interdit de faire la prière à ce moment-là. Mais moi, j'ai envie de lui dire, et vous, qu'est-ce que vous faites de l'obéissance du prophète? Puisque l'ensemble de l'islam de France est basé sur la désobéissance au Coran et au prophète. La totalité, pour ainsi dire, de votre pratique, elle est bid'a. Elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Alors je ne parle même pas du fait que le prophète vous a dit de prier chez vous. Qu'est-ce que vous faites de cette injonction face au Wa'inas fi buyutikum? Vous désobéissez bien vous aussi au prophète. Et pourtant ça ne vous dérange pas. Donc avec vous, c'est toujours le même problème. Vous avez toujours deux poids, deux mesures. Vous changez constamment les paramètres de votre méthodologie sont valables pour les autres, pas par vous-même. À présent, écoutons l'imam Abu Shayma. La prière de l'Aïd est-elle obligatoire pour les femmes? Ah ben, j'allais en parler, donc peut-être dans le dars, mais il y a deux avis. Hein. Mais l'avis, parce que je ne peux pas détailler maintenant, la salat al-Aïd, Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha, il est obligatoire pour toute musulmane. Toutes doivent aller prier. Les femmes et les hommes. La question lui a été posée, à savoir que est-ce que le fait de, pour les femmes de se rendre à la prière de l'Aïd, donc après la rupture du Ramadan, est-ce que c'est une obligation pour les femmes de se rendre à la prière, faire la prière à la mosquée? Alors, il répond oui, c'est obligatoire pour tout musulman, femme et homme. Il répond catégoriquement, il dit oui, c'est obligatoire pour tout musulman, femme et homme, de se rendre à la mosquée pour faire la prière de Salat al-Aïd. Écoutons cet extrait. À la lecture de ce texte qui figure donc dans le Sharh de Nawawi, Sharh Muslim, Sahih Muslim de l'imam Nawawi, on apprend ce qui suit. Certains disent qu'il est obligatoire, d'autres disent qu'il est interdit aux femmes de se rendre à la mosquée. Certains savants disent que c'est obligatoire, d'autres disent que c'est interdit. Dont, entre autres, l'imam Malik. Pour l'imam Malik, c'est interdit pour les femmes de se rendre à la mosquée pour accomplir la prière de Salat al-Aïd. Et d'autres, ça dépend des jours. Comme Abu Hanifa, un jour il dit c'est haram, et un jour il dit c'est halal. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Moi, je vous dis ce qui est écrit, ce que vous avez pu lire par vous-même dans le texte. Abu Hanifa, un jour il dit c'est haram, peut-être pas le lendemain, mais un autre jour, en tout cas, il dit c'est halal. Ça dépend des jours, en fait. Bon. Alors moi, ça se passe de commentaires, évidemment. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas manifestement un consensus sur l'obligation de aux femmes de se rendre à la mosquée pour faire l'Aïd. Alors ne parlons même pas des mosquées de la République, c'est encore un autre débat. À présent, nous allons écouter le dernier extrait concernant Rachid Abu Odeifa. C'est quoi Salat al-Tarawih? C'est des prières surérogatoires qu'on fait après Salat al-Isha. Pourquoi c'est important de les faire? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama Ramadan
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من celui qui passe ses nuits en prière pendant le mois du Ramadan poussé par sa foi et en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés inshallah ta'ala. Bien sûr, on parle des petits péchés, c'est déjà énorme. Donc tous ses péchés seront pardonnés, la condition man qama Ramadan, c'est celui qui aura prié tout le Ramadan, donc toutes les nuits du Ramadan. À l'écoute de cet extrait, frères et sœurs, nous avons entendu Rachid Abu Odeifa nous expliquer, en tout cas nous faire la narration de ce hadith, selon lequel le prophète a dit, celui qui veille durant le mois du Ramadan, tous ses péchés seront pardonnés. Et ceci, nous dit-il, il n'est pas le seul, ils le disent pour ainsi dire tous ceux que j'ai eu à écouter et à lire. Ceci donc renvoie au Tarawih. Ceci conforte la théorie selon laquelle les Tarawih sont finalement fortement conseillés. Non pas obligatoires, mais fortement conseillés. Puisque, entre autres, le prophète a dit « Celui qui veille pendant le mois du Ramadan, tous ses péchés seront pardonnés. » Très bien. La première question que j'ai envie de poser, qui est, ma foi, toute simple, il ne me semble pas avoir entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, peut-être que j'entends mal, hein, ça peut arriver, il ne me semble pas avoir lu, concernant ce même hadith, qui leur sert entre autres d'argument, dans lequel figure à la mosquée. Celui qui veille à la mosquée durant le Ramadan, ou celui qui veille durant le Ramadan à la mosquée, ses péchés seront pardonnés. Il y a pas, je ne sais pas si vous avez entendu, vous, le mot mosquée, machin, truc, moi je n'ai pas entendu. Il est simplement dit, celui qui veille pendant le Ramadan. Donc pourquoi ce hadith, lui et ses semblables, l'utilisent en faveur des tarawih, alors qu'il n'y a rien dans le hadith qui nous parle des tarawih, qui a un rapport ou de près ou de loin avec les tarawih, ou même la prière en commun à la mosquée, ou même à la mosquée. Absolument rien. Celui qui veille pendant le Ramadan, c'est celui qui veille pendant le Ramadan chez lui. Celui qui veille pendant le Ramadan, celui qui fait les prières, celui qui lit le Coran, celui qui fait l'étude de la science, qui fait des invocations, qui fait du zikr, etc., chez lui. Chez lui, puisque le hadith ne comporte pas à la mosquée. Le hadith ne parle pas de mosquée, à aucun moment. Donc pourquoi il se permet de travestir et de mentir sur le prophète en lui donnant un sens, une compréhension dont aucun élément dans le texte ne permet d'aller en ce sens. À rien. Il n'y a rien dans le propos qui indique que c'est à la mosquée. Celui qui veille pendant le Ramadan, c'est tout. Qui veille. Déjà, un, ça cause problème. Ensuite, allez écouter le prophète, en fait, puis en même temps, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. Le prophète dirait tout et son contraire. D'un côté, il dirait Fasalu ayunas fi buyutikum fa inna afdal salat salat al-mar'i fi baytihi ila al-maktuba, et que lui-même a donné l'exemple, comme on le sait, où le prophète, depuis cette tentative de vouloir prier avec le prophète à la mosquée durant le Ramadan, il a immédiatement cessé, il a mis un terme, et cela a été maintenu jusqu'au califat de Omar ibn Khattab. Donc, le prophète, d'un côté, à les écouter, inciterait les gens à aller à la mosquée et faire At-Tarawih, veillant en commun à la mosquée en groupe, comme ils le font, comme nous le savons, malheureusement. Et de l'autre côté, il dirait « Fasalu ayunas fi buyutikum » et que lui-même ne légifère pas cette prière. Et qu'il a interdit par le fait qu'il dit « Fasalu ayunas fi buyutikum » et que nous savons que c'est une injonction, un ordre qui a été compris par les compagnons, puisqu'ils ont mis un terme, comme nous le savons, et sur ça, il y a absolument consensus. Il n'y a aucun qui va vous dire que ça a été maintenu, qu'ils ont continué après la mort du prophète, ça n'existe pas. Donc, à les écouter, d'un côté, le prophète dirait, un petit peu comme Abu Hanifa, pour la prière d'Aïd, le lundi c'est haram, et le mardi c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça cause problème.
soudainement, que font-ils des hadiths authentiques, spécifiques, dans la chronologie, apportent des éléments supplémentaires quant au fait que c'est le dernier en date, les événements historiques, tous les éléments, j'ai envie de dire, qu'on étudie, tous sans exception, et notamment et surtout, j'ai envie de dire que le prophète ne l'a pas légiféré, tous nous indiquent que ça n'existe pas. Que le prophète n'a jamais prié avec ses compagnons, qu'il a interdit, qu'il ne l'a pas légiféré, etc., etc. Soudainement, ben, il n'y a plus Bukhari, il n'y a plus... Ah, l'exemple qu'il nous avait donné à Boussoël, Ilyas à Boussoël, quand le prophète dit, dans le hadith authentique, il dit une chose, c'est comme si tu l'avais entendu. Ta main derrière, ben, si le prophète était devant toi, pourquoi tu l'écouterais? Pourquoi quand tu cites le texte, pourquoi là, vous n'écoutez pas le prophète quand il dit « façon l'honnête, le politique » Ça vous intéresse plus? Il n'y a plus d'authentique, il n'y a plus de la sunna machin truc, il n'y a pas elle est préservée, il n'y a pas, c'est comme tu l'avais entendu, il n'y a plus rien, c'est fini. Le prophète ne l'a pas fait, donc on ne peut pas la faire. Ça, c'est valable pour les anniversaires, c'est valable pour tous les trucs, hein, mais pour les trucs que t'as, c'est pas valable. Ah ben, c'est normal, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi, et qui est adoré par ces mêmes gens, qu'ils ont mis d'ailleurs au-dessus du prophète, à savoir Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Par conséquent, ben, les lois de la nature changent. Ils sont plus valables, les lois de la nature. Le qanun, le sharia, sont plus valables, c'est terminé. Aussi bien lever la voix, aussi bien le bid'a, c'est terminé. Et puis, si ce hadith voulait indiquer qu'il s'agissait de at-tarawih, en tout cas la veillée nocturne dans le ramadan, pourquoi aucun compagnon ne l'a fait? Si le fait de dire, comme a dit ou aurait dit le prophète, men qama, donc celui qui veille pendant le ramadan, c'est prier à la mosquée, et que les compagnons l'ont compris comme lui, il a compris et c'est semblable, pourquoi, depuis que le prophète a arrêté de prier à la mosquée jusqu'au califat d'Abou Bakr, pourquoi personne ne l'a mis en application? Personne ne l'a appliqué. Personne n'est venu avec des imams se rassembler dans la mosquée. Ça, c'est à l'époque de Omar, qui priait certaines personnes, une par là, deux par là, machin, oui, comme ils le font aujourd'hui dans les mosquées. Ils vont là-bas, ils prient, ils se mettent dans un coin, ils prient ça, oui. Mais est-ce que nous avons une information, une indication, un texte, quelque chose, dans lequel, qui nous apprend que, à la mort du prophète, après la mort du prophète, durant le califat d'Abou Bakr, etc., ils se sont rassemblés, ils ont mis en application ce hadith, qui a un mérite de vous effacer tous les péchés. Jamais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que faites-vous du hadith prié chez vous? Comment vous le comprenez? Pourquoi faites-vous une prière qui est meilleure, qui est moins bonne? Vous êtes semblable aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire tarawiyah. Or, ces femmes savent que le prophète a dit que la prière pour une femme chez elle, elle est mieux que la prière, non pas avec Abou Shaima, ou avec Abu Deifa, ou avec je ne sais pas qui, elle est mieux qu'avec lui-même. La prière d'une femme chez elle, elle est mieux que la prière avec le prophète en personne, dans la mosquée du prophète. Hadith reconnu, authentique, validé par les chouyours. Mais malgré ça, la femme va à la mosquée de la République de surcroît. Pourquoi? Là, c'est plus de la théologie. Là, c'est plus un travail de théologien qui va essayer de comprendre peut-être que machin truc, qui fait que truc, machin. Non, non, c'est la psychiatrie. Là, c'est plus la chachia et le kamis. Là, c'est la blouse blanche. Avec la petite croix là, ce truc, et c'est, aller voir un psychiatre et poser lui la question. Voilà, je comprends pas, il y a des gens, on leur propose, voilà, c'est la psychiatrie. Eh ben, vous faites pareil. Puisqu'au-delà de ce qu'on a expliqué, pourquoi vous faites une prière qui est moins méritoire? Avdal salat salat al-marif et beiti'i. Pourquoi vous allez à la mosquée? Vous n'avez pas besoin de hassanet? Vous n'avez plus besoin de hassanet d'un seul coup? Donc en fait, ce qu'il a dit là, il ment sur le prophète. Il fait dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. Men qama. Il n'a pas dit men qama fi masjid, men qama tarawih, men qama. Il a dit celui qui veille pendant le ramadan. Hadith authentique, celui qui veille pendant le ramadan, etc. Et le mérite, c'est qu'il vous savait. Ok, très bien. Mais il me semble qu'il y a une formule plus intéressante que cette formule que vos péchés sont pardonnés lorsque vous veillez pendant le ramadan. Il y a une formule quand même qui est plus intéressante et que j'aimerais vous faire partager. Prenez connaissance de ces textes.
à la lecture de ces textes, qui figurent entre autres dans le Mousnad de Ahmed ibn Hanbal, on apprend que celui qui fait l'odo, et qui fait deux rakhas correctement, concentrés, etc., tous ses péchés sont pardonnés. Ce texte figure dans beaucoup de livres de hadith. Question que je pose, hein, question simple, hein, très bon matin. Question simple, une question que je pose. Pourquoi doit-on se casser la tête à veiller chez soi pendant le ramadan? On doit veiller chez soi pendant le ramadan à prier, à lire le Coran, machin, on est fatigué, etc. Pour obtenir une récompense dont, entre autres, nos péchés sont pardonnés, alors qu'il suffit simplement de faire de rakha, faire les ablutions correctement, prière correcte, et puis tes péchés sont pardonnés. C'est une formule qui est quand même beaucoup plus intéressante. Manifestement, vous aimez bien la difficulté, en fait. En fait, vous aimez bien la difficulté, vous aimez bien ce qui est contraire au bon sens. Ils aiment bien ça, apparemment. Bah oui, moi je prends le Mosnad, je lis, qui fait correctement ses ablutions, fait de rakha, tous ses péchés sont pardonnés. Tu préfères ça ou veiller pendant le ramadan, la nuit, machin? Ah non. Si tu as la même récompense, je veux dire que le prophète, quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile dès lors que pourvu qu'elle n'était pas, que ce n'était pas un péché, que ce n'était pas, voilà. Ben moi, je suis un petit peu comme le prophète. On propose la formule ablution de rakha, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure, et tous mes péchés sont pardonnés. Plutôt que de veiller pendant le ramadan, ben écoutez, je suis désolé, moi je prends les ablutions, hein, pardonnez-moi. Je ne sais pas, je suis pas mazo, quoi, je suis pas... Et il me semble, et je terminerai là-dessus, que Rachid, hein, qui doit avoir connaissance quand même de ce texte, apparemment, balance en fait, c'est pour la forme en fait, il n'est pas à la recherche d'une démonstration théologique pour se rapprocher de... Non, non. Mais il y a encore même mieux que ça. Écoutons encore une fois Rachid. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cinq paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu akbar. En combien de secondes? Deux secondes, trois secondes. Dans le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cinq paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Akbar. En combien de secondes? Deux secondes, trois secondes. Akbar. En combien de secondes? Deux secondes, trois secondes. Akbar. En combien de secondes? Deux secondes, trois secondes. Ah ben là, il n'y a pas de manqama, il n'y a pas de rak'a, il n'y a plus rien. Ça prend 2-3 secondes, nous dit-il. Celui qui dit ça, en 2-3 secondes, tous ses péchés sont pardonnés. Ah, tous. T'as même pas besoin de sortir de ton lit, en fait. Tu restes dans ton lit, t'es en train de dormir, tu ronfles, tu te lèves à midi, tranquillement, tu prends ton petit chocolat, ton petit café, hein, et puis pourquoi pas ta petite clope, hein, et puis tu te détends un petit peu, tranquillement, machin, etc. Tu vois, tu. Voilà, prends un bon somme, hein. Et puis tu dis cette petite formule, 2-3 secondes, a plus de péché. Il n'y a plus. Alors, au-delà du fait que c'est évidemment hérétique, évidemment que c'est hérétique, mais au-delà d'être hérétique, il y a quand même un espèce de... Il y a quand même de la connerie, quand même. Il y a quand même de la stupidité dans ses propos. Il vous demande de veiller pendant le ramadan. Il travestit le hadith en l'appliquant au tarawih, alors que le hadith, il n'y a aucun élément qui permet de le mettre en lien avec une prière en groupe à la mosquée, absolument rien. Il fait abstraction de tout, les hadiths, tout ça, ils ont mis tout ça de côté. Le prophète ne l'a pas légiféré, mais c'est pas grave, etc., etc. Il vous propose finalement, il fait abstraction d'autres hadiths qui disent que vous pouvez faire de rakha et vos péchés sont... Ça, il fait abstraction. Et puis dans d'autres vidéos, il vous dit qu'il dit ça, ses péchés sont pardonnés. Donc il dit aux gens, en fait, ce qu'ils veulent entendre. Comme il ne sait pas quoi dire, et comme finalement, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la théologie, puis il balance pour alimenter son réseau financier et son business de digne, etc., il balance. Il ne se dit pas, tiens, ouais, mais j'ai dit ça, mais si je dis ça, mais quand même, il faut avoir un peu de cohérence quand même. Je ne veux pas dire ça, et puis de l'autre côté, dire celui qui dit ça, parce que je dis, quand même, on ne va pas rendre les gens plus égarés qu'ils ne le sont. Ben non, tout le plus simplement du monde, etc. Celui qui dit ça, ben,
Pourquoi tu nous demandes d'aller veiller pendant le ramadan? Ça prend 2 secondes. Le ramadan, ça prend 1 mois. Tu le dis toi-même, 2-3 secondes. Il n'y a plus de péché. Tous tes péchés, tes baratins, tes petites calomnies, enfin, on sait bien que c'est, évidemment, des petits péchés, bien sûr. Là-bas, tout ça, là, tes trucs, là, il n'y en a plus. 2-3 secondes. Qui dit mieux, je ne sais pas. Si ça, c'est pas une incitation au péché, c'est quoi? C'est une incitation au péché. Parce que tu peux pécher et voilà. Après, c'est toi qui décides. Hein. Parce qu'on sait que c'est pas les grands péchés. On le sait parce qu'on le devine. C'est les petits péchés. Mais les petits péchés, lesquels? Ah, moi, j'ai pas de liste de petits péchés, moi. J'ai pas une liste où il y a tous les petits péchés. Et on me dit, c'est ceux-là. Donc, c'est à l'appréciation de chacun, selon son degré d'intelligence, de savoir. Chacun y va de son coup de... De son coup de magin, voilà. Bon, c'est encore plus catastrophique, j'ai envie de dire. Sur ce, sahaf torkoum, shukran jazil, wa salam alaykoum, rahmatullahi wa barakatuh.